тест, микротест. Zama, c'est 4K. Oh, ça a l'air 4K Steels, hein? Ouais, mais tu dois jouer avec la couleur, on non, est trop non, pur. Non, non, c'est bon. Ah ouais? J'espère que c'est bon. Yo, que se passe? C'est Red Laser. On est là, dans l'airport. On porte pas de masque parce que... Pour vrai, je crois qu'on est supposé porter des masques. Non, je pense mais pas. Mais nous, on est des sans la loi. Non, pour vrai, il y a beaucoup... Il y a comme 50% des gens, ils portent des masques, 50% ils portent pas des masques. Donc nous, on a décidé de suivre l'autre 50%. Mais les règles au Canada, ils sont pas trop... Direct. Et on est pas trop sûr si on doit porter des fois. C'est un pays bizarre. Et on est là, on va rentrer. Votre boy a dormi 3 heures. Comme ça, je peux bien pass out dans l'avion parce que je suis smart. Moi, j'ai pensé à tout. Je comme si je resterais jusqu'à oh, après. Tu viens de boire un café. Yes. Tu viens de boire non, un mais café. Je vais crash. Okay, moi, j'ai pensé, je suis comme yo, si je dors pas là, je vais arriver dans l'avion, vol de 10 heures, je crash. Je vais dead. Yeah. Et on doit aller live. En tout cas, je vais rentrer live dans l'avion. Salam alaikum. Salam alaikum. Alhamdulillah. Aujourd'hui, je commence bien mon voyage. La Turkish Airlines. Waouh, Masha'Allah. Écran 40 pouces. Écran aberrant de 40 pouces. Qualité. Non. On dirait un ordi. Tu commences. Tu dis aberrant. C'est comme les gars là. Alhamdulillah, regardez comment ils m'ont blessé. Check ça, bro. Oh, trop bien, frérot. Il y a l'autre frérot vlogueur à côté, you know, avec sa caméra aberrante. Masha'Allah, que des musulmans. 3 sites ici. Oh, on va bien dormir comme ça. Ça va être un bon flight. Moi, je vais essayer de dormir tout le vol, Inch'Allah. Tout le vol, je crash comme ça. On se check. De l'autre côté quand j'arrive à Istanbul. Yo, salam alaikum, rahmatullah, qu'est-ce qui se passe tout le monde? C'est Red Laser aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un petit vlog. C'est déjà, alhamdoulilah, je viens d'arriver à Istanbul, Turquie. Vous savez que Turquie, ça s'appelle plus Turquie, ça s'appelle Turquie. En tout cas, petite anecdote intéressante, pas intéressante. Mais alhamdoulilah, je suis là, on est arrivé hier soir et là je commence ma journée avec un beautiful day. Que vous pouvez pas voir à cause de l'autofocus, mais je vais vous montrer, t'inquiète. Je vais vous montrer la ville, on va faire un petit tour aujourd'hui de la ville. On va checker les mosquées, il y en a tellement plein, il y a plein de mosquées partout, mashallah, tabarakallah. Aujourd'hui on va aller checker ça, je vais montrer un peu la ville et tout. Et alhamdoulilah, yo, quel pays même, t'entends l'Aden dehors, bien, yo, c'est quelle joie d'entendre l'appel à la prière quand tu marches. C'est un vibe pour les gens qui habitent en Europe, Canada, East States, vous savez que c'est un truc qui, ça touche là. T'arrives dans un pays, t'entends l'appel à frire, t'es comme, oh, tu sens bien. Alhamdulillah. Je suis là dans la chambre d'hôtel, qui est une chambre d'hôtel posée. on est mal désorganisé partout, tu sais déjà. Et hop, petite histoire à vous dire. J'ai vraiment foiré. Quand je suis arrivé ici, j'avais booké un de ces hôtels impérial, ottoman, royal. Un truc que tu vois dans les films, c'était pas cher. Et c'était pas cher pour une raison. Parce que moi je suis un imbécile, je suis un hamar. J'avais booké pour le 28 août et nous sommes le 28 juillet. Donc ouais, votre frère Red Laser a fait une grosse erreur. Mais alhamdoulilah, on a trouvé un hôtel quand même à dernière minute. Mais c'est pas supposé être cher la Turquie. Dites-vous, le taux de change ici, 1 dollar canadien c'est 14 liras. Check tout l'argent. J'ai l'air que je suis en train de ball and stacking, mais non. C'est juste que c'est pas cher. Le taux est vraiment bas. Et bon, avec de l'euro, c'est encore mieux là. T'es en train de cash and ball en Turquie. Mais on va voir là les prix et tout. C'est à cause de l'inflation, man. Alors, qu'est-ce qui se passe, man? La vie a take un hit. Mais alhamdoulilah, donc t'as un bon pouvoir d'achat ici. Et Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On va avoir du fun. On va vous montrer ça. You know, it is what it is, cuz. Et yo, on va faire un move. Dès que Ramadan termine de prendre sa douche. Yo, vas-y Ramadan, man. On a une journée à commencer, bro. What? Un petit café. Oh, à moi. Allez, voilà. Je vais vous montrer les trucs. C'est quoi, breakfast? Vas-y, tu vas nous faire un petit... Comment t'appelles ça? Je sais même plus parler en français, bro. Déjeuner turc. Pour vrai, ça ressemble à un bail palestinien. Un petit démontrage. Je peux pas bien le voir, je vais vous montrer après.
croissant avec Texas. Je vous montre. Bon, là ça fait du sens. Nous avons ici croissant à la viande avec du fromage. Un truc que je sais pas c'est quoi, mais c'est une variété de plein de choses avec aussi du bœuf, de l'argue. Un autre vlogger ici. Yeah. Okay. Cappuccino presque fini. Je vole ton plat pour le vlog, ok? Wow. Dis-leur pas que je mange pas. Non, dis-leur. Dis-leur pas que c'est pas à moi. Guys, look at this right here. C'est gala, man. Pour vrai, ça a l'air d'un déjeuner hag. Ouais. Mais comme, c'est chill. Ouais, ouais. Je le prends. Moi, je le mange comme ça en exclusivité là, ce matin. Non. Bouge la caméra, je suis abonné, G. Ouais. C'est bon, ça a l'air simple, mais c'est bon. Oh, tu sais comment tu le vois bien? Des œufs avec du bacon halal. Le pain est dur. Non, lui, il est mou. You know what I'm saying? Non, mais halal bacon. Trois doigts, tu sais, c'est le sunna. Même licher les doigts, c'est sunna. Qu'est-ce que tu veux de plus, bro? Ça fait longtemps que j'essaie de le faire perdre du poids, mais skin, il n'arrive pas. Mais c'est vraiment un nice place. C'est beau, c'est. Il y en a la place, machallah. Comment c'est stylé. Alhamdulillah, sauf la musique, mais what can we do? Oh. La musique, c'est haram. Oh non! Yo, what do you do, guys? Yo, on est en train de double vlog, regardez. Lui, il a essayé de copier ce que je fais dans la vie. What the fuck? Comme yo, ça a l'air vraiment nice, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux le faire? Je suis comme yo, pas de problème, mon frère, je peux le faire, c'est pas grave. I can teach you. Je peux t'apprendre. Je peux t'apprendre comment être un successful vlogger. Vraiment, moi, je suis pas successful. Anyways, I was good time speaking with you guys. C'était très bien. Très bien parler avec vous la famille. On se revoit pour un nouveau épisode des aventures de Reda Zer dans la vlog Zuri. Salam alaikum. Salam alaikum la famille. On était là à la mosquée aujourd'hui. Je commence, c'est fou déjà à l'entrée. C'est un truc. Il fait une chaleur de fou. Wow. Incroyable. C'était construit dans les années 1600, quelque chose là. Allahu Akbar. On va faire notre poudre. Regardez, tu fais les ablutions où, hein? C'est stylé, hein? Je suis mort, quoi. Fais ton boudou. Le boudou, ça donne de l'énergie, ça va? Ah ouais. Quand tu fais le boudou? Et voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, c'est juste que quand tu dis et voilà, ça veut dire merci. On va faire le robot, Inch'Allah. Regarde la voodoo station. Tu te sens refreshed? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فو دعاء كنت تشوفني وضوء توت لي بورت دي جنة سون اوفير ا توا سي تو داي تو رون دون ال كو بسم الله اي وان اش كنت تاتون حور العين كون تو رون ديريكت حور العين برو والله اعلم برو بور توا جو سي با كوم سي سي avoir fait wudu. Les ablutions, on va aller inchallah dans la mosquée, je vais vous montrer la mosquée de proche. Faut que tu enlèves les choses, you know. Fasse pas, you know. Bismillah. Assalamu alaikum. Thank you.
vraiment pas envie non plus. Salam alaikum, what do you do? Oh, c'est miroir sur un miroir. C'est quoi? Miroir sur le miroir. Parce que la caméra. Anyways. Aujourd'hui, on est dans un nouveau spot. On a pris un bateau. On est venu de l'autre côté de Istanbul. Je sais même pas ce qu'est le nom de la ville. Puis on a get a nice. Armanen. Et là, on va aller dans un nice café. Oh, regardez qui voilà. Un cheesy. Oh, cheesecake. Yeah. Je sais pas s'il va être view, mais le café a l'air insane. Ouais. Ça a l'air. Je vais prendre un petit sip du café pour voir si c'est bon. Bismillah. Ça, c'est un café que tu prends un maintenant et un juste avant que tu pars. Tu prends les lines comme ça? On a pris un petit déjeuner, même s'il est 4h. Nous, on veut déjeuner live. Bon, bah, je vais checker ça avant de manger ça. Je vais le voir. What do you do, cousin? Un genre de cheese sandwich. Je sais pas c'est quoi. Leur cheesecake, je vais pas vous montrer, il était pas vraiment bon. Il y a l'omelette, on a une omelette ici. Une omelette omeletteuse. Très bien. Mmh. Est-ce qu'ils ont mis du cheese dedans? Ouais. Le meilleur, en tout cas. Un good ice latte. Je vais mettre ça. C'est extraordinaire. Si. Bon, je vais pas cacher comment t'es dans la caméra. Oh. C'est un peu salé donc. Pas de montrer. Oh, la salade, t'as goûté la salade? Elle est vraiment bonne. Moi je suis un carnivore. Les légumes. Okay. Légumes c'est pour les. Ok, mais ça dit que t'es nomade. Les mosquées ici sont juste trop incroyables. Oh, okay. Ça s'appelle Souleymani, Masjid Souleymani, on va rentrer live. Là, je pense pas c'est par là, Oh, des partenaires rentrent? Je pense que c'est pour les femmes, non? Là, on va checker.